Bonjour, bon, bonsoir. Hallelujah. It's so wonderful to be here with you. C'est magnifique d'être ici avec vous ce soir. Je ne sais pas si on m'entend. Non. Je ne vois pas le bouton. Father, we love you. Ah, merci. Ah, ça y est. Je t'ai connu tout bébé, tu étais tout bébé quand je t'ai vu la première fois. Tu as bien grandi, he was on your baby. It's been such a joy to be here with Maurice and the team and my brothers preaching today. C'est merveilleux d'être ici avec Maurice, avec toute l'équipe, avec les frères qui ont prêché tout à l'heure. And to be with all of you worshiping the Lord together. Et aujourd'hui avec vous tous pour adorer ensemble le Seigneur. Truly, I just feel the presence of God here. Je sens vraiment la présence du Seigneur ici dans cette salle. Let's pray, hey. Alors on va prier. Father, we love you. Oui, Père, nous t'aimons. We're so grateful for your love for us. On est tellement reconnaissant de ton amour pour nous. Lord, we ask for your spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Seigneur, nous prions pour un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. To enlighten the eyes of our understanding. Pour que tu puisses ouvrir les yeux de notre entendement. Lord, we want to know you more. Nous voulons te connaître davantage. Lord, we ask that you'd stretch forth your hand to heal. Seigneur, que tu étendes ta main pour guérir. And do signs and wonders and miracles. Que tu fasses au milieu de nous des signes, des prodiges et des miracles. In the name of your holy servant Jesus. Au nom de ton serviteur Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un peu moins de retour sur la scène dans ce micro? Merci. Un peu moins de retour, ouais. Merci. I found the Lord actually in worship one day. Un jour, j'ai vraiment rencontré le Seigneur dans l'adoration. I was just 12 years old. J'avais 12 ans. That's why today I still love worship. C'est pourquoi aujourd'hui encore j'aime l'adoration. I used to think it was a bit of a strange concept, telling God how good he was. Au début, je trouvais ça un peu bizarre comme concept de dire à Dieu combien il était merveilleux. Why do we do that? Pourquoi est-ce qu'on fait ça même? I didn't understand. Je comprenais pas bien. I understand now that worship is lovers talk. Mais j'ai compris maintenant parce que l'adoration c'est vraiment un langage d'amoureux. We come like little kids and go, "Up, daddy." Et on vient comme des petits enfants pour dire papa, papa. And he comes and says, "Oh, come here." Il vient nous prendre dans ses bras. It's an opportunity for a divine embrace. C'est vraiment l'occasion pour nous d'avoir cette rencontre divine. But in worship when I was just 12 years old. Quand j'avais donc 12 ans dans l'adoration. I got frustrated. J'étais un peu frustrée. I just got honest with God. J'étais simplement honnête vis-à-vis de Dieu. I believed in him. Je croyais en lui. But I said to him, "Look, I can't see you and I don't know you, and it's very hard to worship someone I can't see and I don't know." Je lui disais, mais je ne te vois pas, je te connais pas, c'est difficile d'adorer quelqu'un qu'on ne voit pas. So I said, "Help." Alors je lui disais, mais au secours, aide-moi. Help still my very best prayer. Et au secours, ça reste toujours ma meilleure prière. Because right there, as I just genuinely asked him, "Help me to know you." Parce que vraiment dans mes prières, avec honnêteté, je lui dis, aide-moi à te connaître. I suddenly he made himself real to me. Et alors que je priais ces prières, il a commencé vraiment à se révéler à moi, à être réel dans ma vie. I knew who I was worshiping. Et à présent, je savais qui j'adorais. That's the work of the Holy Spirit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. He makes the Father known to us. Il nous donne de connaître le Père. Il nous fait connaître le Père. To know Jesus. Il nous aide à connaître Jésus. He's the knowable God. Parce qu'il est un Dieu qu'on peut connaître. He desires fellowship with us. Qui désire communier avec nous. Tom and I have 3 children. Tom et moi, nous avons 3 enfants. They are all grown now. Maintenant, ils sont tous grands. But I tell you, I love it when my children want to spend time with me and tell me about their lives. Et j'aimais ça quand mes enfants étaient plus jeunes et qu'ils me parlaient, qu'ils me racontaient leur vie. I just, oh, my heart loves it. J'aimais tellement ça quand ils venaient me raconter leurs histoires. You know, sometimes when we pray, we feel like, you know, we're sort of bothering God. Parfois, quand on prie, on a l'impression qu'on dérange Dieu. But we don't understand that he loves more than any father or a mother has ever loved a child. Et on ne comprend pas en fait qu'il nous aime plus que n'importe quelle mère ou n'importe quel père a pu aimer son enfant. Song of Songs says that he says about us that our face is lovely to him.
Il est écrit hein, que pour lui, nos visages sont un grand bonheur. And his voice, our voice is sweet to him. Et nos voix sont douces à ses oreilles. Sometimes we come to him and we're singing, "Here I am to worship, feeling like a hypocrite." Et parfois on vient vers lui en disant, "Me voici pour t'adorer, mais je me sens hypocrite devant toi." But the Lord looks at us very differently. Mais lui, le Seigneur, il nous regarde différemment. He's saying, "Oh, I love to hear your voice." Et le Seigneur lui dit, "Oh, mais moi, j'aime tellement entendre ta voix." He's saying, "Angels, come and look. Isn't she lovely?" Et il dit aux anges, "Venez, venez voir comment elle est merveilleuse." He's more wonderful. His love is more wonderful than we could ever humanly comprehend. Il est plus merveilleux et son amour pour nous est plus merveilleux que notre entendement humain ne peut le saisir. But it's our life's privilege to discover this love that passes knowledge on a continual basis. Et c'est vraiment le privilège de notre vie de découvrir cet amour qui dépasse toute connaissance, tout entendement. Psalm 34. Le psaume 34, verse 4 says this. C'est le verset 5 en français qui nous dit ceci. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Oui, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. They looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. I had the privilege as a young minister to go to Fiji to minister. Quand j'étais un jeune pasteur, j'ai eu l'occasion de le privilège d'aller à Fiji aux îles Fiji pour servir. And we'd been invited in to speak to a Hindu high school. Et on avait été invité à venir partager dans une école hindoue. The vice principal was a Christian. Parce que la vice-présidente ou le vice-principal de l'école était une chrétienne. And she'd convinced the school that it was good to invite all the pastors and ministers in to explain to the students what Easter was about. Et donc elle avait trouvé que c'était une bonne idée d'inviter les pasteurs qui étaient là pour venir parler aux élèves et leur expliquer le sens de la fête de Pâques. And she said to me privately, "Please, will you share your testimony?" Et elle m'a demandé en privé si je pourrais également partager mon témoignage. I have a testimony of being set free and delivered from shame. Parce que j'ai tout un témoignage de libération, de délivrance, de guérison de la honte. How the Lord saved me and healed me and set me free. Comment le Seigneur m'a sauvé, comment il m'a délivré, comment il m'a rendu libre. I came from a background of childhood abuse and abandonment, rejection. J'ai connu l'abandon, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'abus quand j'étais enfant. And they were having a problem because a lot of the young girls that had been abused were self-harming and committing suicide. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient connu également l'abus et qui faisaient de l'automutilisation ou qui faisaient des tentatives de suicide. So I shared my testimony. J'ai donc partagé mon témoignage ce jour-là. Shared the gospel, the good news of Jesus being the only way to salvation. J'ai partagé la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus qui est le seul chemin vers le salut. And 90% of the students and teachers gave their hearts to Jesus. Et 90% des personnes dans la salle ont donné leur cœur et leur vie à Jésus. Amen. And as I was on the plane on the way home, et alors que je reprenais l'avion pour rentrer chez moi, I heard the Lord speak to me. J'ai entendu le Seigneur me parler. And he said, "Double recompense." Et il m'a dit, double récompense. Isaiah 61, verset 7. It says this. Qui nous dit ceci. Instead of your shame, you shall have double honor. À la place de la honte, tu auras la double portion de l'honneur. Instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Et à la place de la confusion, tu te réjouiras. Therefore, in their land, they shall possess double. Et c'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays. Everlasting joy shall be theirs. Et leur joie sera éternelle. Zechariah chapter 9. Zacharie également, chapitre 9. Verse 11. Au verset 11 dit ceci. Says, as for you also. Quant à toi aussi. Because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. À cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau.
Return to the stronghold, you prisoners of hope. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Even today I declare that I will restore double to you. Et aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. I began to realize that God not only wants to heal us and restore us. Non seulement Dieu veut nous guérir et nous restaurer. He wants to take what the enemy meant for Amen. Evil and cause it to work for the good of many others. Il veut prendre ce que l'ennemi avait pris pour le mal ou avait comme intention de faire du mal pour devenir une bénédiction, une double portion. That he wants to give us double for our trouble. Il veut nous donner le double pour tous les troubles que nous avons connus. And I began to look at Isaiah 61. J'ai commencé par étudier Ésaïe 61. It's all about divine exchange. Qui parle vraiment de l'échange divin. Beauty instead of ashes. La beauté contre les cendres. Joy instead of mourning. La joie contre le deuil. We bring him our shame. Nous lui apportons notre honte. We bring him our mess. Nous lui apportons tout ce que nous n'avons pas su we faire. We bring him our sin. Tous nos péchés, nos manquements. And in faith we receive in exchange. Et par la foi, en échange, nous recevons his mercy, sa miséricorde, his righteousness, sa justice. Honor, l'honneur, double for our trouble, et le double, la double portion pour toutes les difficultés ou les troubles que nous avons eus. So I began to really look at this intentionally. Et j'ai vraiment commencé par étudier ça de manière intentionnelle. I remember fairly early in our ministry, someone made a nasty video about us and put it on YouTube. Je me souviens au tout début de notre ministère, quelqu'un avait fait une vidéo qui était vraiment une vidéo méchante et qu'il avait postée sur YouTube. Can you believe that? Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un fasse cela? I was watching this and saying, Tom, this is terrible. Je regardais la vidéo, je disais à mon mari Tom, mais c'est terrible ce qu'ils and qu'ils ont fait. And Tom told me I wasn't allowed to watch any more of it. Alors après, Tom m'a dit, non, ça suffit, ne regarde plus, j'avais plus le droit. He's a wise man anointed to protect me. C'est un homme sage qui a tout fait pour me protéger. So, but instead, we decided to bring it to the exchange table. Mais à la place de cela, donc, on a décidé d'apporter cette vidéo à la table de l'échange. Does anyone have a euro, the metal euros? Est-ce que quelqu'un a une pièce d'euro, un euro? And can I have a euro? Someone? Est-ce que quelqu'un a un euro, juste une pièce d'un euro? Ou 2 euros, sinon? We don't have euros in Australia. Non, on n'a pas des euros en Australie. Be generous. Allez, soyez généreux, s'il vous plaît. Aha. Voilà. 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 Oh, merci beaucoup. If I had a whole lot of these, si j'en avais beaucoup dans ma main, and I took them back to Australia, que je les ramenais en Australie, I couldn't spend them. Mais je pourrais pas les dépenser. In fact, they're a little bit heavy. C'est un peu lourd quand même. If I had a lot of these, it would just weigh my purse down. En fait, si j'en avais beaucoup dans mon porte-monnaie, ça ferait un poids. But these have value. Mais en fait, ça a de la valeur. But in my country, they're foreign currency. Mais pourtant, dans mon pays, ce serait une monnaie étrangère. It only becomes of benefit to me if I take it to the exchange place. Et ça ne deviendrait pour moi bénéfique que si je l'amène dans un lieu de change. And they give me Australian dollars instead of euros. Et quand je leur donne un euro, eh bien on me donne de l'argent australien à la place. In the kingdom, it's just like that. Et c'est exactement la même chose dans le royaume. There's a lot of things that we collect over the years, things that happen to us. On collecte beaucoup de choses, on ramasse beaucoup de choses au fil des ans, des choses qui nous sont arrivées dans la vie. It's foreign currency. Ce sont des monnaies étrangères. But it has value. Mais elles ont de la valeur. I've learned not to waste a drop of my shame. Et j'ai appris à ne pas gaspiller une seule goutte de ma honte. If there's anything that comes my way that looks like dishonor or shame, s'il y a quelque chose qui se trouve sur mon chemin qui ressemble à un manque d'honneur ou à une honte, or pain, ou à une douleur, it's got value. Cela a de la valeur. It's foreign currency. C'est une monnaie étrangère. The promise of the Bible is that I can exchange that. Alléluia, parce que la promesse de la Bible, de la parole, c'est que je peux échanger cette monnaie. For the exchange rate of heaven. Pour retrouver à la place la monnaie du ciel. And it's a really good exchange rate. Et le taux de change, je peux vous dire, il est très très bon. So I bring him
Hey, there's some dishonor on the internet there. Et alors je lui apporte hein, une pièce de déshonneur que j'ai trouvée sur internet. I bring it to the divine exchange table. Et je l'apporte à la table de l'échange divin. I'm going to sow that pain. Et je vais semer cette douleur. And exchange it for double favor on the internet, double favor in the media. Alléluia. Et je vais l'échanger pour une double faveur sur internet, une double faveur dans les médias. Amen. And so we did that intentionally with this video. Et donc c'est ce qu'on a fait hein, de manière intentionnelle avec cette vidéo. Well, Google me now. Alors cherchez-moi sur Google maintenant. God has given us so much favor in the media. Parce que Dieu nous a donné tellement de faveur dans les médias. We now are on television in over 200 countries around the world. On est à la télévision dans plus de 200 pays dans le monde. People are getting saved while I'm asleep. Les gens même sont sauvés alors que moi je suis en train de dormir pendant ce temps-là. The more foreign currency comes my way, the more I have to sow. Et plus j'ai de monnaie étrangère qui vient dans ma poche, plus moi j'ai l'occasion de semer. The Bible says that in this world we will have trouble. Oui, la Bible nous dit que dans ce monde nous aurons des tribulations. We don't just have to survive. On n'a pas juste besoin de survivre à cela. God wants to give you double in exchange. Que Dieu veut nous donner la double portion en échange de ces troubles. You can take what the enemy meant for evil. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, vous pouvez le prendre. And in faith, alléluia. Et par la foi, exchange it. L'échanger. I want double for that. Et vous allez dire à Dieu, ben moi je veux le double. For that pain I've been through, I want double. Je veux le double de la portion for du double. For that disappointment, I want double. Le déshonneur pour la déception, je veux le double. And God loves this. Et Dieu aime cela. Because faith pleases God. Parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. This is what He wants for us. C'est ce qu'il veut pour nous. I'll give this back to that gentleman. Okay, je vous redonne la pièce, monsieur. Merci. Wonderful. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. But I didn't always believe this. Mais je n'ai pas toujours cru à cela, bien sûr. I remember as a young woman, I would still spend about 90% of my prayer time asking for forgiveness. Et quand j'étais jeune convertie, je passais presque 90% de mon temps de prière à demander pardon. Now, repentance is a wonderful thing. Bien sûr, la repentance est une chose merveilleuse. But I would repent for being selfish and lazy all the time and repent for things I'd repented of many times before. Et je me repentais sans cesse d'avoir été peut-être un peu paresseuse, de ne pas avoir bien fait les choses. Et je répétais toujours les mêmes prières sans cesse. And spend most of my prayer time asking for forgiveness. Et je passais la plupart de mon temps de prière à demander pardon à Dieu. I was very good at asking for forgiveness, j'étais très bonne là-dedans. But I was very bad at actually believing he'd give it. Mais j'avais beaucoup de mal à croire qu'il m'avait pardonné. You know, God wants us when we bring something to the exchange table to actually believe and have faith in the exchange. Et Dieu veut que lorsque nous apportons les choses à la table de l'échange, que nous croyons que cela est fait et que nous ayons la foi qu'il l'a fait. So one morning I woke up. Un matin, je me suis réveillée. And I just began to worship the Lord. J'ai commencé par louer le Seigneur. It was after a meeting like this. C'était après une réunion comme celle-ci. Where the Holy Spirit was moving. Le Saint-Esprit agissait. And when I woke up, I just began to worship. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à l'adorer. Suddenly, the glory of the Lord came into the room. Et puis tout d'un coup, la gloire du Seigneur est rentrée dans la pièce. And it was so heavy that I felt like I was pinned to the bed. Et le poids de la gloire était tellement fort que j'avais l'impression d'être clouée sur mon lit. And I couldn't even speak. Je ne pouvais même pas parler. Then suddenly I began to sing. Et tout d'un coup, j'ai commencé par chanter. A song, a new song came out of my mouth. Un nouveau chant est sorti de ma bouche. I kiss you with clean lips, O Lord. Seigneur, je t'embrasse avec des lèvres nouvelles. Lips that you've given to me. Les lèvres que tu m'as données. I kiss you with clean lips, O Lord. Je t'embrasse de lèvres nouvelles. Because your grace is sufficient for me. Car ta grâce est suffisante pour moi. And then I couldn't talk again. Et puis à nouveau, je ne pouvais plus parler. I just had to think about what I just said. Et j'ai réfléchi à ce que je venais de dire. And I realized the Lord was speaking to me. J'ai compris à ce moment-là que le Seigneur me parlait. He was telling me, I've given you clean lips. Il était en train de me dire qu'il me donnait des lèvres propres. I've made you clean.
clean. Qu'il m'a rendu propre, pur. I'm better than you feel like you deserve. Et que tu es mieux que ce que tu ne penses mériter. And I began to understand I needed to have faith in as I exchanged my sin that he would really give me his righteousness. Et j'ai compris que je devais avoir la foi lorsque je venais apporter en à la table de l'échange ce que j'apportais pour recevoir en échange sa pureté. 1 John chapter 3 verse 20. 1 Jean 3 verset 20 says if our heart condemns us, God is greater than our heart. Si nos cœurs nous condamnent, si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs, oui. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. Et nos cœurs ne nous condamnent pas parce que nous avons confiance en Dieu. In other words, God is better than we feel like we deserve. C'est-à-dire que Dieu est mieux que ce que nous pensons mériter. Even when we feel like a hypocrite. Même lorsqu'on se sent hypocrite, we must believe that his grace is sufficient for us. Nous devons croire que sa grâce est suffisante. That he's better than we feel like we deserve. Qu'il est mieux que ce que nous pensons que nous méritons. That we must put faith in the great grace of God. Que nous devons mettre notre foi dans la grâce merveilleuse de Dieu. Sometimes we religiously like to think that feeling like a terrible rotten sinner is actually pleasing to God. Parfois dans notre compréhension des choses, on pense que le fait de se sentir comme un pauvre pécheur pourri, malheureux, cela plaît à Dieu. But when we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Mais lorsque nous demandons pardon, il est fidèle pour nous purifier, nous pardonner, nous purifier de tous nos péchés. We must believe. Mais nous devons croire. All things are possible to him who parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Do you believe? Est-ce que vous croyez? Do you believe that he is better than you feel like you deserve? Est-ce que vous pensez qu'il est plus merveilleux que ce que vous sentez ou pensez pouvoir mériter? Do you believe that he's greater than your heart and emotions? Est-ce que vous pensez qu'il est plus grand que votre cœur, plus grand que vos émotions? Yes, he is. Oui, oui, il est plus grand. Oui, oui. Oui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's a moment you can just thank God for. Hooray. Amen. Hallelujah. I want to show you a few testimonies tonight. J'aimerais ce soir partager avec vous quelques témoignages. Because I believe the Lord wants to touch people. Parce que je crois que ce soir le Seigneur veut toucher les vies. And as we testify about the great things God does. Et lorsque nous témoignons des choses merveilleuses que Dieu a faites. It gives him glory. Cela lui donne la gloire. And releases hope into our hearts. Et ça met vraiment de l'espérance dans nos cœurs. Avant de voir Dieu agir et faire de grands miracles dans mes réunions, je lisais tous les témoignages de guérison, je regardais des vidéos, je lisais des articles. Because God wants us to begin to believe. Parce que Dieu veut que nous commencions par croire. So testimonies are powerful. Les témoignages sont puissants. We put a lot of these testimonies on Instagram. Nous postons beaucoup de témoignages sur Instagram. All the social media. Sur tous les réseaux sociaux. And people hear them and they are amazed that God still heals today. Et les gens voient ces vidéos, entendent les témoignages, ils sont étonnés de voir que Dieu continue de guérir encore aujourd'hui. This first one I want to show you is about a young woman. Premier témoignage, c'est le témoignage d'une jeune femme. Her name is Brooke. Qui s'appelle Brooke. Brooke had been she had to go in for emergency surgery. Elle a subi une opération d'urgence. The doctor was worried because he discovered she had half a womb and only one fallopian tube. Donc le chirurgien avait découvert qu'elle n'avait qu'une moitié du utérus et qu'une seule trompe. And there were some problems that were going on. Et il y avait des problèmes donc dans so son bas-ventre. He operated and he actually took photographs on the operating table. Donc il a opéré, il a même pris des photos pendant l'opération. And they did follow-up scans. Ensuite, ils ont fait des scans de suivi. And he explained to Brooke that because she only had half a womb and one fallopian tube,
it would be very dangerous for her if she were to ever fall pregnant. Et donc le médecin, le chirurgien avait expliqué à cette jeune femme que puisqu'elle n'avait qu'une moitié d'utérus et qu'une seule trompe, eh bien ce serait dangereux pour elle de tomber enceinte. She wouldn't be able to carry a baby to term and it would be life threatening. Et qu'elle ne pourrait pas enfanter jusqu'à terme, que ce serait vraiment menaçant pour sa vie. Anyway, when she got this news, she was very discouraged. Elle était très découragée quand elle a appris la nouvelle. But she began to think about the promise of God. Mais elle a commencé à réfléchir aux promesses de Dieu. Sing, O barren, you who have not born. Toi qui étais stérile, tu vas maintenant enfanter. And she decided to come up to one of our miracle meetings in Brisbane. Elle a décidé de venir à Brisbane dans une de nos réunions de miracles. She lived 12 hours away. Elle habite à 12 heures de là. But she believed God was going to heal her. Mais elle était sûre et elle croyait que Dieu allait la guérir. So she came to the meeting and at the end of the meeting she just came forward for prayer. Elle est venue à la réunion, à la fin de la réunion, elle s'est avancée pour recevoir la prière. I told her just look up at him. Et je lui ai dit simplement lève les yeux vers lui. And the Holy Spirit touched her. Et le Saint-Esprit l'a touchée. She felt heat on her belly. Elle a senti la chaleur dans son ventre. And she heard the Lord speak to her. Elle a entendu le Seigneur lui parler. And say it's done. Et il lui a dit c'est fait. Well, she had to go back and have an MRI. Elle a dû retourner pour faire un IRM. And then see the specialist again. Et à nouveau rencontrer le spécialiste. When she saw the specialist, he was a bit confused. Lorsqu'elle a rencontré le spécialiste, il était un peu dans la confusion. He said, I can't explain this. Il a dit, je ne sais pas comment expliquer cela. He said, I've operated on you and I've even got photographs I took on the operating table. Je vous ai opéré, moi-même j'ai pris des photos lors de l'opération. We've got ultrasounds confirming you have what was called a unicorn uterus. It only had one unicornus uteri. On a donc fait toutes sortes de traitements. On a fait des ultrasons et vous avez ce qu'on appelle donc un seul une moitié d'utérus. So we've got very clear pictures here. You have only half a womb and one fallopian tube. On a des photos très précises donc de votre utérus qui est à moitié d'une seule trompe. But your latest MRI. Mais votre dernier IRM clearly shows you have a complete womb and two fallopian tubes. Montre clairement un utérus entier, deux trompes. Hallelujah. Hallelujah. All things are possible for those who believe. Oui, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. We have actually the before and after films. On a la vidéo d'avant et d'après. They're being published in a medical journal. Et ça a été publié dans un journal médical. Because it's a creative miracle. C'est un miracle de création, un miracle créatif. This is just a little video about that. C'est juste une courte vidéo qu'on va vous montrer qui parle de cela. Hopefully it comes. On espère que ça marche. Help. Yes. Brooke had half of her uterus missing and was told that she would. Nearly. Was told that she would likely never have. On y était presque. But God did the impossible. All things are possible. Yeah. Brooke had half of her uterus missing and was told. It's worth it. Ça vaut la peine d'attendre. Hein. Patience. Told that she would likely never have children. Brooke had half of her uterus missing and was told that she would likely never have children. But God did the impossible. I had to have emergency surgery and the surgeon showed me pictures of my insides and showed that I only had one fallopian tube and a half a womb. I saw it with my own eyes. He told me that I might not be able to have children or I could lose the baby and I could risk my life getting pregnant. Then I went to a miracle meeting in Brisbane. I got prayed for and I saw Jesus. He touched my belly and he said, consider it done.
Then I went back to the surgeon, had an MRI. He said, I can't explain what happened because when I opened you up, I took pictures and your fallopian tube wasn't there. Now everything is normal and you've got your whole fallopian tube. And he pulled up all the pictures again and showed me again where it wasn't there, but now it is there. And that's because Jesus restored it when I went to that miracle meeting. If Hallelujah. God can creatively restore half a uterus and a fallopian tube, there is nothing he can't do for you. Put your faith in God today. Amen. Hallelujah. Yay, God. Yay. Amazing God. Dieu, un Dieu incroyable. I had a couple in Sydney, actually, interrupted my meeting one day. Un jour, il y a un couple qui venait de Sydney qui a interrompu ma réunion. The Holy Spirit was moving and there was faith in the room. Le Saint-Esprit était à l'œuvre et il y avait une grande foi dans la salle. And they came forward asking for prayer for their son who was in the hospital. Ils s'étaient avancés pour demander la prière pour leur fils qui était à l'hôpital. And I just as I went to pray for them, I felt the Lord take me into a vision. Alors que je me suis avancée pour prier pour eux, le Seigneur m'a conduit dans une vision. Et dans la vision, je me suis vue dans la salle, la chambre de l'hôpital, et j'ai imposé les mains à l'enfant. Et ce n'est que 7 ans plus tard que j'ai découvert ce qui s'était passé. I was ministering at another church, and in between the services, this couple came up to me. J'étais dans une autre église, et entre deux réunions, ce couple s'est avancé vers moi. They said, "Do you remember us?" Et ils m'ont dit, est-ce que tu te souviens de nous? I said, I'm sorry, J'ai dit non, désolé. They said, we interrupted your meeting 7 years ago to pray for our son. Il y a 7 ans, tu avais interrompu pendant la réunion pour que tu pries pour notre fils. I said, I do remember you. J'ai dit, ah oui, maintenant je me souviens. They said, did you know what happened? Et ils m'ont dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? I said, no, I never found out. J'ai dit non, j'ai jamais découvert ce qui s'était passé. They said their son had been in hospital with end-stage non-Hodgkin's lymphoma, tumors all through his body. Donc l'enfant était à l'hôpital, il avait des tumeurs dans tout le corps. At the very moment we prayed, he'd been instantly healed and had never had a recurrence of the cancer since. Et au même moment nous avions prié, il a été instantanément guéri et depuis il n'a plus jamais eu de cancer. All things are possible. Toutes choses sont possibles. Hallelujah. Amen. This next video I want to show you. Je vais vous montrer une autre vidéo. It is actually the story of our TV producer's little baby. C'est l'histoire, c'est le témoignage du bébé de notre producteur télé. When they were just a young couple, they came and they actually lived on our property in a caravan. Donc c'était un jeune couple à l'époque, ils vivaient dans une caravane sur notre terrain. He was one of my interns and then they lived next door. Il était un de mes stagiaires, ensuite ils ont habité à côté de chez nous. And then they had their first baby. Et puis ensuite, ils ont eu leur premier enfant. They rang me up in the morning and said, "We've had a baby girl." Et un matin, ils m'ont appelé pour dire, "Ça y est, on a eu notre bébé, c'est une petite fille." And I was actually going to minister at my very first charismatic Catholic event. Et le jour-là, je partais pour aller faire le ministère dans ma première convention catholique charismatique. So I said, "I'll come and see baby tonight. Let me know if you need anything." Et donc je leur ai dit, ben, je viendrai voir le bébé ce soir, dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Donc je suis partie avec mon stagiaire, on est parti en voiture. And I got a phone call. Et puis je reçois un appel. It was the hospital. C'était l'hôpital. They said, Nathaniel and Haley are asking if you would come. Donc ce jeune couple qui me demandait si je pourrais venir. The baby had a heart attack and was without oxygen for more than 4 minutes. Le bébé venait de faire une crise cardiaque et était sans oxygène depuis 4 minutes. We haven't actually been able to bring her back to consciousness. Et l'hôpital me dit qu'on n'a pas pu ramener l'enfant, le ranimer. It's a very serious situation. La situation était grave. Would you come? Est-ce que vous pourriez venir? So I arrived at the conference and I said to the waiting leadership and the priests. J'étais donc arrivée à destination et j'ai dit aux responsables, aux prêtres de la réunion, dans la réunion. I'm very sorry. Could my intern preach for you? Et je suis vraiment désolée, je vais demander à mon stagiaire s'il pourrait peut-être prêcher à ma place. They were so gracious and they said yes and we'll pray for the baby.
Ils ont dit oui, bien sûr, et nous, on va aussi prier pour le bébé. So I raced back to the hospital. Donc, je suis retournée vers l'hôpital. And the nurses were waiting for me at the intensive care door. Et les infirmières m'attendaient là dans les soins intensifs. Là. They said, "Are you the minister?" On m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur? Oh, you don't understand. They really don't seem to understand how serious this is. Et je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c'est sérieux cette situation. I could see that they were wanting me there for grief counseling. En fait, ils pensaient que je venais surtout pour aider les parents dans la phase de deuil. I thought, well, you got the wrong lady. Alors je me suis dit là, attendez, vous n'êtes pas la bonne personne. Vous n'avez pas la bonne personne. I walked in to the intensive care ward. Donc je suis rentrée dans la salle de réanimation. And baby Gabriella was gray. Et le bébé qui s'appelait Gabriella était toute rouge. She was hooked up to a life support machine. Et elle est elle, green, verte, c'est ça? Green, was she gray? Gray. Oh, pardon, grise, gray. Merci. Oui, oui, grise. And hooked up et to elle, a life elle, support machine. Elle était donc connectée à une machine, branchée à une machine. And the gift of faith just came on me. Et puis le don de foi est venu sur moi. I said, Nathaniel, take a picture. This is going to preach really well. Et j'ai dit à Nathanaël, prends une photo parce que vraiment on va faire une prédication super. And I told the nurses, get Hayley expressing milk because this baby is going to be breastfed. Et j'ai dit aux infirmières, dites à la maman de préparer son lait parce que ce bébé va bientôt téter. And the nurses were like, et les infirmières ont fait, who is this crazy woman? Qui est cette folle? And so Nathaniel took a picture and they started filming. Donc Nathanaël a pris une photo, ils ont commencé par filmer. And they had to airlift the baby to the children's hospital. Ils ont dû emmener l'enfant dans l'hôpital des enfants. And the next day the doctor took Nathaniel aside. Le lendemain, le médecin a pris le papa and said to him, son, we need you to understand we're not getting any response from her. Pour lui dire, écoutez, on n'a pas vraiment de réponse positive. And We don't think she's ever going to wake up. Et nous ne pensons pas que le bébé va se réveiller. And Nathaniel said, "I respect you, doctor, but I believe in Jesus." Mais lui, il a dit, avec tout le respect que je vous dois, docteur, moi, je crois en Jésus. We came and we prayed again. On est revenu, on a prié à nouveau. Thank God for the healing. On a remercié Dieu pour la guérison. I told Nathaniel, "You keep filming because this is going to be a great testimony." Et j'ai dit à Nathaniel, continue de filmer, ça sera un grand témoignage. You're going to see the actual pictures of what happened. Et tu vas voir les photos, les images de ce qui s'est réellement passé. The next day, Nathaniel was filming and Hayley was reading the Bible to Gabriella. Le lendemain, Nathaniel donc priait et sa femme lisait la parole devant l'enfant. You need to understand because she'd been out without oxygen for so long, they assumed she had terrible brain damage. Bien sûr, parce que l'enfant n'avait pas eu d'oxygène pendant assez de temps et son cerveau était déjà bien endommagé. But as they were just there, she opened her eyes. Mais alors qu'ils étaient dans la pièce, le bébé a ouvert les yeux. By that afternoon, she was breastfeeding. Et l'après-midi, elle a commencé par téter. And then was released from hospital 2 days later. Et 2 jours plus tard, elle a été libérée, elle a pu sortir de l'hôpital. This is just a little bit of some of that actual footage. Alors voici quelques images de cette scène, ici que vous allez voir en vidéo. Gabriella was only 30 minutes old when her heart stopped beating for 4 minutes. They were able to resuscitate her, but they said there's little to no hope that she'll recover. The hospital called me to come in, and when I arrived, she was grey and hooked up to all these life support machines. And I said to Nathaniel, take a picture. I remember overhearing one of your pastors say, take a photo of her like this because you're going to need it for the testimony. So we thanked God, we prayed, we declared the goodness of God, even when it looked like there was no hope. This is the actual moment. After just a few days, suddenly, Gabriella opened up her eyes. C'est au moment même où elle s'est réveillée. And today, she's a healthy, happy little girl. So I want to encourage you, even when it seems impossible and unnatural, nothing is impossible for God. Even when it looks like there's no hope, même lorsqu'on a l'impression que tout espoir est perdu, God is able. Dieu est capable. Only believe.
seulement, crois seulement, crois seulement. Can I show you one more? Est-ce que je peux partager encore un témoignage? Actually, maybe two. Alors deux peut-être. This is a little boy. Ça c'est un petit garçon I met in Oklahoma. Que j'ai rencontré en Oklahoma. Just as I was leaving the meeting, Tom stopped me and asked me if I'd pray for him. Alors que je quittais la réunion, Tom m'a arrêté pour me demander si je pouvais prier pour cet enfant. He was 3 years old. Qui avait 3 ans. Autistic, non-verbal. Qui était autiste et qui ne s'exprimait pas. Couldn't eat solid food. Qui ne pouvait rien manger de solide. Had never spoken in sentences. Qui n'avait jamais fait de phrase de sa vie. Both mom and dad were doctors. Ses parents sont tous les deux docteurs. But they believed Jesus could do something. Mais ils ont cru aussi que Jésus pouvait faire quelque chose. And so I just prayed as I walked out the building. Alors que je sortais du bâtiment, j'ai prié pour le petit garçon. The next day they wrote to me. Le lendemain, ils m'ont écrit. And said, oh well, no, later that week they wrote to me and said the next day she saw, mom saw little Isaiah sitting by the window and singing. Donc c'est plus tard dans la semaine qu'ils m'ont écrit, mais que dès le lendemain, la maman a vu le petit garçon en train de chanter. And he turned to her and said, "Mommy, look at the train." Et le garçon s'est retourné vers sa maman. Il lui a dit, "Maman, regarde le train." Mommy just about fell on the floor. Maman est presque tombée dans les pommes. I got to meet them a few months later. Quelques mois plus tard, je les ai rencontrés. I had a meal with them, watched him eating his chips and his fish. Et j'ai mangé avec eux, j'ai vu l'enfant qui mangeait donc and les frites avec la main. Away to me in full et sentences. Qui parlait, qui faisait des phrases complètes. This is just a quick little voilà video about that. Une petite vidéo qui parle de ce témoignage. Isaiah was autistic, non-verbal, never spoken in sentences, never been able to eat solid food. And we just laid hands on him and thanked the Lord for his healing power. The next day, in the morning, Mum looked over and Isaiah was sitting by the window and he was singing. And she'd never heard him do anything like that before. And then he turned to her and he said, "Mummy, look at the train." Which is the first time he'd ever spoken. And so I got to see him this last week and we were having wonderful conversation. My heart had to say, "Lord, you are magnificent. Lord, amen. You are magnificent." Amen. Hallelujah. Magnificent God. Since then, we've seen another little 3-year-old who was nonverbal get his speech. Et on a vu un autre enfant aussi âgé de 3 ans qui n'arrivait pas à parler, qui a after pu parler the testimony. Après avoir entendu le témoignage. And then just last month, a 6-year-old boy. Et le mois dernier seulement, un garçon de 6 ans, non-verbal, qui ne parlait pas, again was gloriously healed. Et qui a été également miraculeusement guéri. This is the last one I want to show you, and then I want to pray for people. Voilà, c'est le dernier témoignage que je veux partager. Ensuite, je veux prier avec vous. This is a lady in our church. Ça, c'est une femme dans notre église. She'd had lots of prayer for a deaf ear. Et on a beaucoup prié pour elle parce qu'elle était sourde d'une oreille. But hadn't been healed. Et elle n'avait pas encore été guérie. We decided we're going to have a miracle meeting once a month. On avait décidé alors de faire une réunion de miracles une fois par mois dans l'église. And I encouraged people to fast and pray. Et j'encourageais les gens à prier et à jeûner. Come believing they were going to get healed. Et de venir vraiment avec la foi, croyant qu'ils allaient être guéris. Well, Kay and her husband, they fasted lunch and dinner. Donc cette dame et son mari, ils ont jeûné le repas du midi, du soir. And she was going to get healed. Et elle était déterminée à être guérie. She'd lost her hearing when she was 3 years old. Elle avait perdu l'audition quand elle avait 3 ans. As a result of measles. À cause de... What's measles again, Josie? Les oreillons, non, c'est ça, c'est les oreillons, je pense. Ou les amis, non, les oreillons. And over the years, they'd had to operate and remove the eardrum and then all the hearing bones because they just went to mush. Et donc, par la suite, ça s'est compliqué. Donc, ils ont dû opérer, ils ont dû enlever des parties de son oreille. At one point in the meeting, I felt it was time for Kay to get healed. Et à un moment donné, pendant la réunion, j'ai senti que c'était le moment pour elle de recevoir sa guérison. Before I could even get to her, the Lord had touched her. She'd hit the floor and her ear had popped open. Et avant même que je n'arrive vers elle, le Seigneur l'a touchée, elle est tombée par terre et son oreille s'est ouverte. What you're about to see is when I pulled her up off the ground and you'll see. Alors la vidéo que vous allez voir, c'est lorsque je l'ai relevé du sol et vous allez voir ce qui se passe. My friend Kay lost her hearing when she was just 3 years old from measles.
And over the years, she lost both her eardrum, as they had to medically remove it, and then all of the hearing bones. So it was medically impossible for her to hear. She had no hearing at all in her ear. But then we had a miracle meeting. And at one point in the meeting, I felt it was time to pray for Kay. Is it possible in the natural for her to hear this ear? So close your good ear for me, darling. Close it up. And I want you to say what I say, okay? Hallelujah. Jesus. Yeah. Nothing is impossible. Why do we give you all? Today, hallelujah. She comes perfectly out of that ear. It's an absolute miracle. If God can create an eardrum out of nothing, there's no miracle He can't do. I used to think that God only did this in Africa or India. I used to think that God only did these sort of things in Africa or India. Je pensais que Dieu ne faisait ce genre de choses qu'en Inde ou qu'en Afrique, dans ces pays-là. But God does them here. Mais Dieu le fait aussi ici. I think over the last few weeks we've seen multiple deaf ears healed. Au cours des dernières semaines, nous avons vu beaucoup d'oreilles être, beaucoup de personnes retrouver l'audition. You know, I believe God is able to do anything if we will look to Him and believe. Dieu peut tout faire si seulement nous croyons et que nous tournons nos regards vers Lui. He's a good, good Father. C'est un bon Père. I just want you right now to begin to look to Him. J'aimerais simplement que vous commenciez par tourner vos regards vers Lui. Do you know Him? Est-ce que vous le connaissez? A lot of people believe in God. Beaucoup de gens croient en Dieu. But do you know Him? Mais est-ce que vous le connaissez? Do you have a relationship with Him? Est-ce que vous avez une relation avec Lui? Oh, He wants you to know Him. Il veut que vous le connaissiez. And He wants you to know that He has forgiven you. Il veut que vous sachiez qu'il vous a pardonné. That you can receive salvation through His precious Son. Et que vous pouvez recevoir le salut par son Fils précieux et bien-aimé. We just must believe. Simplement, nous devons croire. If you know in your heart, you're here and you know you haven't actually received Jesus as your Savior. Si vous êtes ici ce soir et vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas encore réellement accepté Jésus comme votre Sauveur. And the Bible tells us that we can actually receive His life. La Bible nous dit que nous pouvons réellement recevoir sa vie. We can receive His Spirit. Nous pouvons recevoir son esprit. Where He'll come in and make us new on the inside. Il peut nous rendre tout nouveau à l'intérieur. And give us a certain hope that we will be saved. Et nous donner l'espérance que nous sommes sauvés. If you're here and you know in your heart you've never actually surrendered your life to Jesus. Si vous êtes ici ce soir et vous savez très bien que vous n'avez encore jamais vraiment abandonné votre vie à Christ, vous n'avez pas vraiment donné votre vie à Christ. I'd love to give you an opportunity. Bien, ce soir, j'aimerais vous donner une occasion de le faire. Before we begin to pray for the sick. Avant de commencer de prier pour les malades. Do you know that you're saved? Est-ce que vous savez au fond de vous-même que vous êtes sauvé? God wants to help you. Dieu veut vous aider ce soir. If you'll invite Him to be your Lord and your Savior, vous pouvez l'inviter dans votre vie pour devenir votre Sauveur et votre Seigneur. He will give you eternal life. Il va vous donner la vie éternelle. If you're here and that's you and you say, I need Jesus. Si vous êtes ici ce soir et que cela vous parle et que vous dites, oui, Jésus, j'ai besoin de toi. I want to know Him as my Savior. Je veux te connaître comme mon Sauveur. Would you just raise your hand where you are? Je vous invite simplement à lever la main là où vous êtes ce soir dans la salle, si c'est votre cas. Thank you, Jesus. Alléluia, merci Seigneur. Would you pray this with me? Alors priez cette prière avec moi. Father God, Père, I believe. Je crois. You sent your son Jesus. Que tu as envoyé ton fils Jésus. To be punished in my place. Pour être puni à ma place. I believe Jesus died and rose again. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Right now, Father. Et maintenant, Père. I ask you. Je te demande. To have mercy on me. D'avoir pitié de moi. Come into my life. De venir dans ma vie. Cleanse me from my sin. De me laver de tous mes péchés. Make me new on the inside. De me rendre nouveau à l'intérieur. I receive you. Je te reçois.
as my Lord and Savior. Comme Sauveur et Seigneur. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Father, I thank you for each one that made that sincere and honest prayer. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont fait cette prière honnête et sincère ce soir. I thank you for the faith to believe to be released to their hearts. Merci pour la foi qui est libérée dans leur cœur pour croire. That they'd receive your mercy. Pour qu'ils reçoivent ta miséricorde. Your salvation. Ton salut. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I bless them. Bénis-les, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Father, right now I thank you that you are the same yesterday, today and forever. Père, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lord, I thank you that you touch and you heal. Merci parce que tu touches et tu guéris. Holy Spirit. Oui, Saint-Esprit. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. If you need healing in your body, why don't you just begin to look to him? Alors si vous avez besoin de guérison dans le corps ce soir, eh bien, tournez vos regards vers lui. Thank you for your grace, Lord. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Remember, healing comes from him. La guérison vient de lui. Father, we love you. Oui, Père, nous t'aimons. Thank you for your power. Merci pour ta puissance. Thank you for your grace, Lord. Merci pour ta grâce. You're so good. Tu es tellement bon. You're so good, God. Tu es tellement bon, Seigneur.